Husha died in there, trapped. He probably struggled and screamed until he went mad trying to find a way out of that godforsaken place. Like me, only, in his case, nobody got there in time. I imagine he thought that there was a quicker way to go, the same way that Faba chose. And maybe I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. I should burn the thing. Make that melody vanish from the face of the earth. But what about Ariadne? She's alive. What if only the box can stop this? I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in Legrand's diary. Oh God, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope the nightmares won't be as horrible as real life. Oh non. Non, il s'est endormi. Il fallait pas! Non! Non. Oh non. C'est pour ça que je dors pas, tu vois? God, I need to find something. There must be something. C'est pour éviter ça. Faba, Husha, every single person who attended that cursed concert in the Abbey, the entire Legrand Amersburg family and I, we all heard the song. Argos Legrand's diary, which I found in that place beyond reality, was my only hope of unveiling something, anything, that could take me down a different path than the rest. And yet, Legrand's notes seemed like nothing more than erratic and incoherent ramblings of a broken mind, so demented that no one could put them together in any order, much less understand them. But I found something towards the end that made some kind of sense. Although, I wish I hadn't. It's all over. Just a moment ago, I... like every night, the song was invading my dreams, grating incessantly. I woke up, soaked in sweat, and veiled by the shadows. Natalie was sleeping, but I was not. This time, it had to stop. I was hell-bent on destroying the source of that awful song. I went down to the basement and tore down the same wall I built myself. With each blow, I cursed the moment I decided to bring that melody into my home. I couldn't take it any longer. There she was, behind the wall. My wife, huddled in a corner, holding Elaine in her arms. I froze. What? If Natalie was there, what kind of diabolical Mais creature qu'est-ce que was sleeping c'est? By my side? Monsters. All of them. Mais allez! Elaine, Natalie. The monsters had locked them away and wanted to take Ariadne. They wanted to take my baby. I grasped the mallet, determined to do whatever it took. I would not allow those fiends to take my daughter. Not without a fight. They would rue the day they tried to harm my family.
I would kill the monsters and the black figure and find my little girl. Wow, le trigger! I followed them throughout the house. Every room was shrouded in darkness. There was something unnatural in the air. The melody had transformed into a choir of black curling howls. Oh, le trigger! But I finally cornered them in the bedroom, where I finished them off. I drew blood, and it flowed like a well from the grotesque black figures while they screamed and writhed, the vile, deceitful fiends. And then I went back to the basement, and there was nobody there. Natalie and Elaine had disappeared. No, that isn't true. They had not disappeared. They had never been down there. They were upstairs, in the bedroom where I'd left them. There were no monsters in the house. Except me. Only me. Only me. Wow! Oh my god, it ends like this. Non mais non, il y a le ton, hein. Le ton est posé. Hein. Jeremy Hartwood Mental Hospital, 1920. Psychiatric analysis and treatment of patient Ariadne LeGrand Amsberg. Dr. Berenice Prestigard. Oh Christ, I can barely stand up. I really need help with this. Ok. Oh, la présentation change. La présentation change pour les personnages. Source de lumière, briquet. Hein, ça... forcément mal finir pour les briquets. Est-ce que ça va mal finir pour Étienne? Est-ce que ça va mal finir pour Lydia? Est-ce que ça va mal finir pour Sophie? Bon ben, je vais choisir Lydia du coup. Dent de sagesse, on a un jeu de tarot. Hein. Bon, on y va avec un tarot. La phrase d'accroche est quand même hyper goldée. Hein. La phrase d'accroche c'est « Du coup, on envoie qui à l'hôpital psychiatrique? Allez !» Allô, Lydia, c'est pour une enquête à l'hôpital. Lydia, guess what? I need your help. I know. I'm very sorry for calling this late, but listen, I found something. It's only a small lead, but it mentions everything, and has the Jeremy Hartwood Hospital stamp on it. Yeah, that's the one. I know it's a bit far, but I think someone there, a doctor. Berenice Prestigard read this diary years ago and looked into this madness way before we ever did. It says 1920. There must be something left of her research. If I'm not mistaken, the hospital was abandoned shortly after World War I. So maybe everything is still there. Her notes, her files, something. No, no, I think I'm running out of time. I feel bloody exhausted. I can no longer tell the difference between reality and my hallucinations. I need you to look for something, anything, and call me. I know it's a lot to ask, but I don't want to end up like the rest. And something tells me I should visit Ariadne one last time. Yeah, take your cell and call me if you find anything. As soon as I find out what Dr. Prestigard was investigating, I'll drive over to the LeGrand Amersburg mansion. Yeah, good luck to you too. Bonne chance et... And thanks. Courage dans la mort. Courage dans... enquête. Jeremy Hartwood Hospital, an old mental health institution for the rich turned dump, or something worse. Mais pardon? C'est quoi ce son, on entend? Quoi? Vous entendez un genre de... d'aboyage, d'aboiement? Oh non!
Sa croix, c'est sa chouine, un film de Night Shyamalan. J'aime bien ce perso. J'aime bien son look. J'aime bien son style. Non. Ça, tu fais plus jamais. Plus jamais. Mais plus. Vous vous entendez? Rassurez-moi, je suis pas le seul là. Oh. On dirait qu'ils ont essayé de vider l'hôpital. Mais qu'ils ont arrêté à un moment donné. Je sais pas d'où vient, je vous jure. Mais d'où vient le son? Je vous jure, je sais pas. Il y a un moment donné, on va le savoir. Hein. C'est un lapin, vous croyez? Je peux y aller. Je n'irai nulle part. Il y a quand même l'option pour se barrer. Et il y a l'option pour se barrer qui t'explique que t'as pas le choix et que tu vas rester là. Il y a cette option pour partir, mais quand je la sélectionnerai, je ne partirai pas. Un truc là? Je peux imaginer le bruit de l'eau dans la fontaine et le calme de ce jardin de l'époque où l'hôpital était encore ouvert. Il y a bien des lustres. Bon, ça c'est la course. Ok. Je devrais jeter un coup d'œil à ce vieux plan électrogène. On dirait un groupe électrogène. Ok. Non, ça me va. Il est évident qu'ils détruisaient cet endroit. Très bien. Donc, ils ont essayé de faire de cet endroit un... Oh. Poignée cassée. Une poignée retirée d'un groupe électrogène. Ok. Yeah! C'était à peu près son cri, ça. Je procède du doublage. Oh. C'est reparti comme avant. Je crois qu'elle est direct venue dans le top 3 des meilleurs, tu vois. Ça... Oh. Ok. Je pense avoir trop fait. Fin de l'histoire. Je me demande si la poignée, si vraiment... Oh, déjà, attendez. La porte d'entrée. Bruit chelou égale mort par décès. Mort par décès permanent. Badass. L'horreur et la chanson. Tu n'as pas surmonté ta dépendance à l'alcool pour te laisser tuer par ça. Bah disons que dans l'échelle des dangers, l'alcool c'est moins dangereux qu'une entité démoniaque venue de l'enfer pour détruire l'humanité. Je veux dire, c'est... Shit. J'ai cru en dans un shit. Pas de contrôle ou alimentation de secours, mais il n'est pas alimenté. Ouais, c'est pas une petite ambiance, hein. À la vue de cette civière roulante... Non, mais c'est... Oh. C'est-à-dire que cet épisode 5, on va être... On va visiter des chambres. Je vous rappelle que dans Phasmophobia, la map de l'hôpital psychiatrique, c'est probablement l'ambiance la plus folle. J'espère vraiment que cela fait partie de la tentative de destruction de cet endroit. Non mais ça va être un truc de stress là. Je pense pouvoir caser mes fesses maigrelettes là-dedans sans aucun problème. Mais... What? J'arrive dans un hôpital psychiatrique, c'est pas le premier truc que je me dis. J'ai toujours aimé l'art marin. Ok. 100% hyper réaliste. Hein? Une agrafeuse de l'autre côté de la vitre. Je peux passer le bras.
Regardez, il y a... Elle peut pas mourir d'un bras coupé. Non! Non! Elle s'est coupée, mais elle a rien. Hémorragie tombe dans les pommes. Il y a rien de... Utilise l'inhalateur. Attends. Mais si j'ai l'inhalateur, qu'est-ce que devient Ernest? Voilà. Pardon. Voilà. 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 Non, non. My body feels numb. Déjà là? Vous savez que j'entendais très très mal cette porte. J'entendais très très mal. Le clavier qui ouvre la porte de la salle de sécurité n'est pas alimenté en électricité. Ça commence super fort. Ça commence super fort. Des matelas, des cadres de lit et d'autres meubles, tous abandonnés. Le bâtiment est en meilleur état que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un endroit abandonné depuis aussi longtemps. Il est néanmoins à moitié en ruine. Ah mais j'ai vraiment eu des surprises. Ouais. J'ai vraiment cru que j'étais condamné là pour le coup en amour. Hein. Des tiroirs vides et objets usés. Rien à voir. On dirait qu'on n'a jamais pu les déplacer. Ok. Ouais, je me suis pas tranché définitivement. J'ai pas une hémorragie. Là. Ah! Où ça? Où ça? Déjà? Déjà? Où ça? Non mais sans deck déjà. Wow. I almost didn't live to see another day. Ah mais y a... On est dans le hall d'entrée. On est dans le hall. On est dans le hall d'entrée. Non, c'est juste l'un des meilleurs jeux d'horreur que j'ai fait, hein. Attention, hein, je le redis. Hein. On est juste dans le hall d'entrée. C'est tout. C'est-à-dire que là, si, avant même la musique d'ascenseur, tu vois... On peut pas enquêter tranquille. Non mais là, c'est juste la violence. Je ne peux pas passer par là. Ce serait trop dangereux de déplacer tout ça. Alors que des créatures plurimillénaires qui apparaissent dans des ombres et qui viennent te dévorer le cœur, ça c'est ok! Du matériel médical standard, trop endommagé pour être utile. Mais même si c'était pas endommagé, t'aurais envie de l'utiliser? C'est juste pour savoir, c'est pour un ami. Oula, c'est quoi ce portrait? C'est quoi ce portrait? Quelqu'un détruit ce tableau avec des taches noires. Stress ou psychose? Ou bon goût? C'est quoi cette ambiance? Ok, très bien. Faut aller de l'autre côté du bar. Pourquoi il y a des bougies allumées? Quoi? Il y a des bougies allumées? Quoi? Aucun des centres médicaux dans lesquels j'ai travaillé n'avait cette variété apparente au menu.
Je ne sais pas si je réussirai à caser mes fesses ici. Bien sûr. Note de démolition. La démolition est terminée. Le travail n'a pas été fait. Mais on ne restera pas ici une minute de plus. Deux des équipes ont refusé de revenir dans l'aile est. Et Ezek et ses gars ont accroché un câble épais autour de la porte d'un réfrigérateur pour le maintenir fermé. Ils ne veulent pas l'ouvrir, même si les outils et les ustensiles de cuisine sont là-bas. Il y a également des réfrigérateurs en parfaite condition. Ce n'est pas le premier problème qu'on a eu. Et cette fois-ci, la situation est allée si loin qu'on doit partir. Je les comprends, cet endroit me file la chair de poule. Et je suis là depuis moins longtemps qu'eux. Il y a encore tellement de choses précieuses là-dedans. Des machines à écrire, des radios, des meubles de luxe, des viewers. Ça n'est pas important dès que l'équipe d'Emile revient. On s'en ira. J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder parce qu'il va bientôt faire nuit. Je me demande pourquoi ça prend si longtemps. Ça fait 8 jours que Timmy est allé chercher du bois. J'espère que je ne vais pas devoir aller le chercher. Comme je disais, cet endroit me fout les jetons. Ok, par contre là, ce qu'il faut qu'on se dépêche de faire, c'est trouver un endroit où on peut se cacher. Genre sous la table, un placard. Timmy s'est fait manger. Il y a quelque chose sur la table. Hein. Une vieille photo déchirée dans une crise de colère ou d'espoir. Peut-être je pourrais le remonter. Oh. Ok. Tourner. Non. 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 Mais non, c'est pas ça. Ou alors c'est pas... ou alors c'est un mec qui vient d'une famille du Nord, tu vois. Ça ressemble à un bas, là, ou des... Enfin, des bas, on dit, mais... Ça, c'est un coin gauche. Bas gauche. Je vais légèrement... Voilà. Bizarrement, c'est tellement plus pratique à la souris. Photographie en scène. Une photographie en noir et blanc déchirée et recomposée. Les 7 chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo. Les 7 chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo. Ok. Je pense que cette photo cache autre chose. Voilà. Attends, il y a un petit bonhomme debout, un petit bonhomme assis, une... Il y a une moustache ! C'est tout pour moi. Les 7 chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 7 chiffres du plus haut au plus bas. Eh, mais c'est en français ce qui est écrit en plus. Non, non, je vois ça. Est-ce que je peux aller sous la table? C'est pour un ami. Ils ont les mêmes fables fantaisistes dans la cantine, cet endroit était chic. Je ne sais pas. Ouais, 6, 7, hall d'entrée. Je peux me cacher dans le hall d'entrée. Mais oui, les fesses qu'on cale! Je croyais autre chose. Des instruments rouillés inutiles. Ah, justement, en parlant. Heureusement qu'on ne sert plus d'alcool aux malades en psychiatrie. Nous avons quelque peu évolué depuis le début du siècle. Tu sais quoi, attarde-toi 2 secondes sur Twitter. Ce vin devait probablement être déjà cher dans les années 1920. C'est presque comme si je visitais un étrange musée. Quand les collègues verront ce que je peux fabriquer avec du luminol, Daniel aurait probablement vomi en voyant autant de bouteilles d'alcool. En un même endroit, il a géchant. Je suis si fier que nous n'ayons, que nous avons accompli ensemble. Très bien. Quelqu'un veut une pinte de bière qui a tourné? Pas moi.
chat, elle est trop bizarre. Ok. Je vois. Ça donne envie de mettre cette ambiance-là en spécialisé. Je vois de nombreux petits brûleurs de poils au lieu des brûleurs de grande taille. Je suppose que ces gens avaient la possibilité de choisir leur menu. Et si je peux caler mes fesses maigrelettes là-dessus, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. On dirait que je pourrais jamais le savoir. Oh! On dirait que le placard est ouvert. Ce serait un jeu d'enfant de se cacher dedans. Alors les enfants, aujourd'hui on va se cacher dans un placard d'hôpital psychiatrique. Allez, qui veut s'amuser? Oui! Moi! Des couteaux, ils pourraient m'être utiles. Mais ils sont en si mauvais état qu'ils se briseraient probablement en 1000 morceaux. Youpi! Rangé par la taille de cet évier, il n'utilisait pas de grande marmite. Mais si je peux caler mes fesses maigrelettes là-dedans... Pardon. Quelqu'un a tiré ce câble pour s'assurer que la poignée ne bouge pas. Bah non. Il y a des crochets. C'est vrai que dans la lettre, il y avait une histoire de porte de frigo qu'il fallait pas ouvrir. Des restes de vieilles conserves. Je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Est-ce que je dois prendre ce dessin pour le mettre dans ma collection plus tard? Oui. Bien sûr. Il n'y a rien à inspecter. À part ce dessin chouettos. Et ce placard chouettos dans lequel on pourra s'en se cacher. Tant que j'ai pas besoin d'ouvrir. Hein. L'ambiance sonore est juste folle, folle ici. Et la porte du couloir qu'on a pas vue. C'est là où je crains. C'est là... Charlotte aux fraises. Que j'ai emporté mon inhalateur. Mais attends, c'est pas celui d'Ernest? C'est-à-dire que Daniel a envoyé Lydia seule à un hôpital psychiatrique alors qu'elle est à se mettre... C'est vraiment le meilleur d'entre nous, Daniel. Quoi? Ça me fait de me frotter contre cette vie. Et si je peux caler mes fesses maigrelettes ici, me donnerait probablement le typhus. Moi, je vois que le câble. De la porte du frigo à ouvrir.
fait, je vois que ça et ça me trigger. Bon, tout le monde dit au revoir à Lydia. Allez, tout le monde dit au revoir à Lydia. Lydia, est-ce que t'as un dernier truc à dire? J'ai plusieurs persos. J'ai trois persos dispo. Allez, des bisous, hein. Des bisous, Lydia. Merci beaucoup d'être passé. Parfait. Ok. Bon bah, salut Lydia. Ah. Non. Mais t'es pas morte ! Un meuble noué utilisé pour maintenir une porte fermée. De toute évidence, cela tient toujours. Regarde-moi ça. Maintenir la porte fermée. Dieu sait combien de temps. Eh ben, c'est une bonne question, tiens! Ok. On peut aller... prendre deux secondes pour se cacher dans un placard. De quoi? De quoi? De quoi? Poignée réparée, une poignée de groupe électrogène liée à un câble! Au revoir, Lydia! Ok. Toi bien. Donc ça s'arrive pas à la soirée du mercredi. Ok. Oh. Il y a encore ce... La corde semble avoir quelques décennies de trop. Je ferais mieux d'en trouver une de rechange. Bah ça tombe bien, c'est quoi? C'est bon, on a mis l'électricité, vous pouvez relancer le bâtiment, vous pouvez rétablir le centre. Moi j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant, bonne chance pour la suite et GG l'électricité. Allez, salut. J'étais pas venu pour réparer les... L'électricité? Oh. Gen Rush. Ouais, très bien. Maintenant que le groupe électrogène est allumé, voyons ce que je peux faire ici. Morgue est génial. Qu'est-ce qu'on peut bien allumer de... sécurité, c'était... C'était là, hein, la sécurité. Hein. Ici, exactement, je crois. On peut allumer le feu. Oh, c'est une excellente idée.
Non, mais vraiment, je trouve ça très, très sécurisant, vraiment très plaisant. Ok, et là, il y a un code. Je pense que le panneau déverrouille la porte. Oui. Ben, vas-y. Les 7 chiffres. Non, on n'a pas le code. Franchement, si ça marchait... ça peut pas être un, des chiffres, les petits bonhommes. Attends. Attendez. Ah ! Il y en a un qui est debout. Un en noir. Un avec une moustache, donc il y en a un qui a moustache. Donc c'est la moustache tout à gauche. Un avec les lunettes, donc c'est celui d'en bas. Un avec le t-shirt noir, c'est en bas. Un qui est assis. Ce dont on est sûr. Il y en a 4 debout, c'est sûr. Il y en a un en noir. Il y en a 6 en blouse blanche. Il y en a 2 ou 3 en moustache, là c'est pas sûr et certain. Ah si, c'est sûr et certain. En lunettes, j'arrive pas à savoir si celui qui est debout en partant par la gauche, le troisième, a des lunettes. Moins que les lunettes dans la poche du gars soient considérées comme des lunettes. 3 assis, 3 moustaches, ok, donc 3-3. Bon, j'ai 4 combinaisons. 7, 6, 4, 3, 3, donc avec 3 moustaches, 3 lunettes. Test. 7. 6, 4, 3. Merci! C'était là! Le secret était là! 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 Le secret! Bon bah on peut rentrer maintenant. Elle rentre comme un Space Marine, hein, je veux pas dire, mais avec les épaules. Dr. Baroness Prestigard. It's a good start. Today's session with Ariadne the most productive to date. Était de loin la plus productive. Not because of the conversation we had. For her mind continues to adhere to the usual extravagant patterns, but because today she asked to get her things back, which led me to a surprising discovery. Down in the storage room, c'est elle qu'on a vu nous attaquer. I would not find any of the belongings taken from her when she was admitted, but there was nothing further from the truth. There was a diary and a music box. After handing the box to Ariadne, I quickly browsed through the diary, which apparently belonged to her father. Quoi? And that's where it gets interesting. After years of researching paranormal phenomena, Argus Legrand's investigation led him to the Abbey of Saint Cecilia, where a cursed concert had supposedly Encore taken place. Cette abbaye? After spending a considerable amount of money, he got his hands on the only remaining sheet music from the concert, and convinced an acclaimed musician to play the music one more time. The new cursed concert would take place on a steamer that would sail down the Rhine a few weeks later, and both Legrand and his assistants would be there to contemplate the true effects of the song. After the concert, the tycoon wrote the following in his diary. Those ignorant, illiterate fools. I can only laugh at their curse and their stupidity. The only misfortune that damn song has brought is a hole in my bank account. Alas, at least I take the melody with me. I will have it recorded and play it each day for my family. Ha! Those drunk, lazy bastards. Their misfortune was caused by their own stupidity and bad blood. Wanting to put the blame on a song is yet another sample of their total lack of culture. Super Argus idea. Legrand never knew that the steamer suffered a strange accident just hours after he got off that killed everyone on board. And Quoi? Yet his thoughts on the melody eventually changed. They did indeed change. I can't believe it. Daniel wasn't exaggerating. Daniel n'exagérait pas. This is much worse than I ever imagined.
D'où vient la musique des moines? Récupérénice. Prestegarde. Un truc, quelque chose de lourd, de très lourd. Ok. Toutes sortes de manuels d'utilisation pour des... C'était un rat, ok. Et quelques documents de procédure de sécurité également. Rien à voir avec ce que je cherche. Je vais quand même vérifier si je peux me cacher quelque part. Oh, là c'est ouvert. J'aime pas l'ambiance. J'aime pas l'ambiance. C'est totalement trop calme. C'est la première fois en entrant dans l'asile qu'il n'y a aucune musique, rien du tout. C'est juste hyper flippant. André ? André ? C'est pas le jeu qui avait crash en termes de musique. Je suis bien mécontent de... De savoir que c'est pas un bug. Je pense que le projecteur fonctionne toujours. Apportez-moi des pommes de terre et des gencives d'apport. Qu'un mannequin, je pensais voir autre chose. C'est drôle quand même. Ce n'est pas une blague, c'est-à-dire que tout le long elle a cru que c'était une blague jusqu'à maintenant. Cet écran est énorme. Il ne reste plus qu'à trouver un film à lire sur ce projecteur. Ok, il nous faut un film. On dirait une archive de documentation de visuel à l'époque, je pense, pour trouver quelque chose d'utile. Est-ce que je peux coincer mon inhalateur? Plus de musique. J'en suis presque à être plus rassuré quand la musique qui fait peur. Qui est triste. Les gens qui n'ont jamais pu finir ce qu'ils ont commencé. Et les gens qui sont venus réparer ces jets d'hier. Le plan de caméra est genre super nul. Non. Oh, ce trou relié de pièces. On dirait que quelqu'un l'a ouvert de l'autre côté. Alors, couvert de l'autre côté. Ok, très bien. Waouh. Le pinot est en assez bon état. Plus ou moins. J'ai des glyphes du Necronomicon sur chaque touche.
Vous aussi, ça donne envie de faire de la musique? Ouais, hein. Ça marche là.